l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon et l'arrivée dans ce temple de la République d'un ouvrier étranger, internationaliste, résistant. Il va s'engager en 1939 et il va petit à petit entrer dans la résistance pour devenir, à partir de 1943, le chef de l'un des derniers groupes résistants de la région parisienne, le fameux, désormais nommé groupe Manouchian. Lorsqu'on aura tenté de retourner le peuple français contre ses résistants en les faisant passer pour des étrangers assoiffés de sang avec cette fameuse affiche rouge. Lorsqu'il est condamné à mort avec ses 22 amis, il écrira à sa femme le dernier jour de sa vie « Je meurs pour la France ». Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».